Merci de nous rejoindre sur ce plateau à toutes les deux. Donc en fait, avant de les présenter et de poursuivre la discussion, on va passer quelques extraits qui font écho justement à ces questions-là, mais dans le contexte français, et sur lesquels va rebondir tout de suite après Karima. Donc voilà, je vous propose qu'on les regarde, comme ça fait aussi une petite pause. Ah oui, j'oubliais. Alors, on n'a pas passé ces clips par hasard. Vous avez reconnu Booba, ensuite El Matador, et puis une parodie ensuite dont Karima va nous parler. Mais avant de poursuivre, j'aimerais juste vous parler un petit peu de Karima et son travail. Karima avait publié en 2011 un article qui avait fait beaucoup parler dans le numéro qui s'appelle Sex Sells Blackness Too, donc numéro de volume, c'est le rose, vous allez le trouver facilement, vous pouvez le feuilleter après si vous voulez. Et en fait, cet article, il s'appelait Bitch et Beurette, et donc il parlait de la figure de la beurette dans le R&B français et comment ça pouvait constituer une figure d'émancipation, mais elle va vous en parler beaucoup mieux que moi. Mais c'est l'article qui a le mieux... qui a le plus de vues pour nous chez Volume sur Internet, vous imaginez pourquoi. Et de fait, on est très content d'avoir cet article parce qu'aussi, il est très bon et très original dans sa manière d'aborder le cas français et la manière dont les musiques populaires véhiculent des représentations qui sont de fait politiques, même si elles ne sont pas voulues explicitement comme politiques. Donc je te laisse. Alors, bonsoir à tous. Alors, pourquoi j'ai choisi déjà ces morceaux? Ce qu'il faut savoir, donc là, le son de Booba, Génération Assassin, c'est donc la phrase type « Je vais à la chicha pour les beurettes ». C'est un son qui est sorti bien après celui qui vient avant, qu'est le Matador. Mais pour moi, c'était intéressant parce que finalement, El Matador, dans son morceau « Les beurettes aiment », et il rajoute dans le titre « Ceci n'est pas un jugement », a essayé à travers ce morceau justement de déconstruire un peu tous ces clichés et ces préjugés qu'il y a par rapport à cette figure de la beurette. Et pour moi, c'était très illustratif en fait d'utiliser Booba, mais après, il faut savoir qu'il y a d'autres rappeurs comme Rof, etc., qui instrumentalisent en fait du moins cette image-là très fortement. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce son d'El Matador, c'est qu'il a été très, très mal interprété et très mal perçu. Parce que, en fait, en tentant de ce que lui dit, que c'est un son ironique, en fait, qui n'est pas un son conscient, mais qui avait plus un aspect club, mais en même temps, il voulait parler d'un phénomène social qui est cette représentation de maghrébine hypersexualisée, et que c'était un phénomène social qui existait et dont il fallait en parler. Et une des caractéristiques qui était selon lui problématique, c'était disons un trait très particulier de la beurette aujourd'hui qu'on appelle les beurettes à kahlouche ou les beurettes à khel, donc les beurettes à noir en fait. Donc c'est cette stigmatisation des femmes maghrébines qui sont en union ou en mariage, peu importe, avec des hommes noirs. Et du coup, on remarque que depuis quelques années, il y a une forte stigmatisation et représentation de cette image. Et du coup, lui, il a trouvé intéressant de mettre ça, on va dire, en morceaux. Mais ça a été très, très mal perçu de manière générale. Du coup, c'est un morceau qu'il a même décidé, qui est sorti en mars 2014 à peu près, et qu'il a décidé de ne pas le mettre dans son album. Et d'ailleurs, quand on regarde la vidéo, tous les commentaires YouTube ont été supprimés parce qu'il est traité de raciste, etc., notamment. Et du coup, on a eu un peu cette polémique, on va dire, autour de ce morceau. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est par rapport à moi, ce que j'avais essayé de faire dans l'article en 2011 sur cette figure de la représentation des beurettes. Et moi, je m'étais plus focalisée sur l'émergence des maghrébines en tant que chanteuse R&B, en fait.
comment ça se fait que dans le R&B mainstream, celles qui sont le plus mises en avant et visibilisées, c'était des femmes d'origine maghrébine, entre guillemets. Et du coup, je m'étais un peu interrogée sur cette instrumentalisation et comment elles-mêmes, elles utilisent un peu cette... elles jouent un peu ce cadre politique de d'émancipation, comment dans leurs chansons en général, elles appellent à se libérer et du ghetto ou alors prendre son envol. Il y a plein de métaphores un peu comme ça. Et en même temps, du coup, ça participe parfois à stigmatiser ce que Nasir Aghenif appelle le garçon arabe, par exemple. Et du coup, je me suis intéressée plus à ça. Et j'avais mis en complément, l'étude d'une autre image, c'était les femmes noires hypersexualisées dans le rap. Et du coup, même si l'idée c'était de dire qu'en général elles sont noires, elles sont hypersexualisées, il y a quand même une évolution dans la construction d'une féminité type dans les clips de rap où on voit que finalement c'est plus une question d'identité, on va dire entre guillemets raciale, mais une question de répondre à certains critères féminins et de genre plutôt. Du coup, il y a les latinos, etc. Et du coup, maintenant, ce que je dis, et ce phénomène-là qu'on a présenté dans le clip de Booba de Beurette, c'est un peu plus récent parce qu'on en voyait certaines, mais de moins en moins. Et là, du coup, on remet en avant cette image hypersexualisée de la Beurette comme une femme très lascive. Et j'ai trouvé ça, en fait, j'ai l'impression que c'est comme une sorte d'évolution par rapport à ce que j'avais écrit, moi, il y a quelques années, en fait. En fait, ce qu'on voit, c'est que pour refaire le fil un petit peu, c'est que là où Beyoncé incarnait je prends toujours l'exemple de Beyoncé, ça permet un peu de donner un fil, mais on avait une chanteuse mainstream américaine qui mettait la question identitaire de manière très explicite en avant. Et en fait, quand on s'intéresse au R&B français, j'ai l'impression, enfin, tu me diras si je me trompe, Karima, mais que du coup, c'est peut-être un peu moins affirmatif. Peut-être ça l'était plus dans le cas des chanteuses d'origine maghrébine qui mettaient un peu ça en avant. Et là, en fait, dans les figures qu'on voit émerger, finalement, c'est moins un aspect de revendication. Et c'est plus qu'il y a des représentations qui sont construites, mais pas forcément de manière délibérée pour affirmer une fierté identitaire, par exemple. Ben, du coup, justement, ce qui est intéressant avec le morceau d'El Matador, c'est que dans cette tentative de déconstruire les beurettes, il a stigmatisé une autre catégorie de population qui était les hommes noirs. Et ce qui est intéressant, c'est comme par exemple le rappeur MZ, il a dénoncé cela. Et quand on lui a dit, bon, le problème, c'est quoi? C'est cette idée de beurette à Khel et à Kahlouche, c'est du racisme anti-noir. Mais à aucun moment, dans toutes les réactions à ce son, on a même questionné cette notion de beurette, et de revenir vraiment sur le fond et l'idée première qui était de El Matador, de déconstruire un peu cette image. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après, on s'est plus focalisé sur une autre forme de discrimination et de représentation qui était problématique. Et du coup, quand moi j'ai essayé de regarder un peu sur... Je me suis dit, bon, ce qu'a fait le Matador, c'est effectivement très, très, très maladroit, pour ne pas dire autre chose. Mais je me suis dit, finalement, dans la scène française et en particulier sur le R&B, quand on regarde les artistes, en général, elles répondent beaucoup à cette espèce de critère de la beurette qui s'émancipe et qui se libère. Et il n'y a pour moi aucune artiste, je dis bien dans le mainstream, après quand on va sur YouTube ou autre, on trouve des artistes qui sont dans la contestation. Moi je parle vraiment de ceux qui sont visibilisés, qui de manière mercantile apportent de l'argent. Il n'y en a aucune qui va vraiment contester, sauf un petit peu ce que je disais dans mon article, c'était Wallen, peut-être à la fin. Dans son dernier album, on voit qu'elle revient à une espèce de mythification des origines, où elle essaie de revenir un peu à une source et une tradition de ses origines, qui a un peu cette idée-là de contester ou alors vraiment d'exposer cette espèce de pluralité qui existe au sein même de ce qu'on appelle les maghrébines, en fait. Ouais. Donc pour moi, c'est aujourd'hui en France, il n'y a pas d'artiste engagé qui ferait ça, en fait, sur cette idée identitaire vraiment le R&B mainstream, comme vous dites. Ouais, en fait, on voit bien que, en tout cas aux États-Unis, il y a l'air d'avoir une circulation entre le fait qu'il y a des
cultural studies et gender studies assez forte. Le fait que Beyoncé, du coup, on a l'impression quand elle fait des morceaux comme, comme ça, elle anticipe déjà sur la réception et le fait que soit ça va lui être favorable dans l'idée que tout ce courant serait assez fort, soit en tout cas au minimum ça va faire des débats. Derrière, les médias enchaînent très vite et effectivement il y a beaucoup d'articles là-dessus, etc. Donc disons qu'en France ça a l'air délicat de prendre ce genre de position, en tout cas d'avoir des affirmations identitaires marquées dans le top des charts et dans le R&B, etc. Mais c'est aussi lié peut-être à la manière dont les médias en fait traitent ce genre de questions en général, et y compris quand ils traitent de ce qui se passe aux États-Unis. C'est pour ça qu'on a demandé à Emily qui avait écrit d'ailleurs sur les femmes dans les clips de rap pour Vice, ce qu'elle pensait en fait en tant que journaliste de la possibilité, de la difficulté ou pas de traiter en fait de ces questions-là de représentation. En gros, de politique de la représentation, de ce que ça signifie de représenter une minorité ou une identité dans la musique. Quand on essaie d'en parler en France dans les médias, est-ce que c'est quelque chose qui passe bien? Est-ce que c'est difficile? Et comment ça s'est fait? Notamment, en fait, on va vous en parler, mais il y a vraiment eu... Quand Beyoncé a fait son dernier disque, pas cette année, mais c'était l'année dernière, je crois, il y a vraiment eu tous ces articles sur le féminisme pop où on voyait que les médias français commençaient à en parler, et en même temps, on sentait un certain décalage, une certaine difficulté à aborder le sujet. Donc la question que je voulais te poser, Émilie, c'est est-ce qu'il a fallu attendre que ça devienne explicite chez Beyoncé pour qu'on puisse en parler? Est-ce qu'il y a une difficulté en France, dans le journalisme, à parler de ce genre de choses, des dimensions identitaires et politiques de la musique? Je pense qu'il y a deux choses qui sont globalement un peu moches, un peu dommages dans la vie de façon générale. C'est la peur de prendre des risques et le suivisme. Et c'est un truc, c'est deux choses qu'on retrouve beaucoup dans le journalisme. C'est-à-dire que par rapport à Beyoncé et par rapport à son féminisme, il y a eu un effet boule de neige. Quelques médias se sont mis à en parler, c'est devenu OK d'en parler sans prendre trop de risques. Un petit peu comme si, plus particulièrement dans la presse musicale, il y avait une forme de frilosité à dire plus que ce que l'artiste accepte lui-même de dire dans ce qu'il fait. Ça, c'est une première chose. La deuxième, qui est très importante, c'est de recontextualiser la place en fait, des études sur le genre en France, qui ont un léger retard quand même par rapport au milieu anglo-saxon. Ça se passe toujours de la même façon, en fait, sur ce genre de thème hyper travaillé dans les milieux anglo-saxons. En fait, on se met à en parler en France quand des gens prennent à bras-le-corps le sujet, traduisent les choses. Et par rapport donc, aux cultures, aux études sur le genre, on dit souvent que ça a commencé un petit peu autour des années 2010, à la faveur de deux choses, parce que déjà en 2010, on a fêté les 40 ans du MLF, le mouvement de libération des femmes. Le deuxième point, c'est que Sciences Po a ouvert un programme d'études, j'ai dû le noter quelque part, qui s'appelle Présage, donc programme de recherche et enseignement des savoirs sur le genre. Ils ne sont pas les seuls, il y a aussi Paris 7, Paris 8, Paris 3 aussi, Toulouse, le HESS. Et à partir du moment en fait, où les milieux universitaires ont commencé à parler d'études du genre, c'est devenu un peu plus acceptable d'en parler aussi par ricochet dans la presse. C'est marrant parce qu'on a souvent l'idée qu'en fait les médias sont... que l'université peut être à la traîne de phénomènes, enfin du journalisme en fait. Et là, on a l'impression que c'est un peu l'inverse. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que les deux, dans tous les cas, vont forcément à un moment donné aller main dans la main. On peut vouloir d'ailleurs faire dire beaucoup de choses dans la presse musicale aux artistes, mais j'ai l'impression que quand ça touche à des discours politiques, on va devenir beaucoup plus frileux, de peur peut-être d'aller trop loin et d'être ensuite taclé. Et du coup, toi, comment t'as vu le traitement, par exemple, du féminisme de Beyoncé dans les médias? Ça prenait quelle forme? Enfin, en France, est-ce que tu sentais un côté un peu, on en parle, mais on s'excuse, ou est-ce que c'était, ou, comme tu disais, c'était OK, et là c'était bon parce que il s'était passé un truc au niveau universitaire.
Il y a ce truc toujours un peu cynique par rapport au journalisme. Heureusement, je ne suis plus trop pigiste parce que sinon, je vais vraiment me retrouver à avoir plus aucun rédacteur en chef. C'est qu'en fait, on peut dire des choses, mais on va souvent nous demander de les justifier. Et une façon de justifier les choses, ça va être de faire des captures d'écran sur Twitter de gens qui auront dit ci ou ça. Une espèce de semi-reportage, en fait, mais fait derrière l'écran. Donc, globalement, les rédacteurs en chef ont peut-être peur de publier dans leur canard des choses qui iraient peut-être plus loin que ce que les artistes eux-mêmes acceptent de dire. Et ok. Et quand on dit tout ça, on part un peu du principe que en fait il faut en parler, il faut faire des articles sur le féminisme. Donc c'est ce qui s'est un peu passé là un peu plus quoi avec ces articles sur le féminisme pop. Est-ce que du coup l'idée c'est que c'est cool, on a comblé un retard ou surtout quand ça passe comme ça par le féminisme de la pop, est-ce que c'est une bonne chose finalement ou est-ce que comme on disait avec Agnès, c'est un féminisme sur lequel pèse toujours un certain soupçon. Est-ce que ça reste quelque chose de positif en fait d'en parler de cette manière dans les médias? Alors je pense que c'est une question à laquelle on peut difficilement répondre de façon péremptoire. En tout cas, ce que j'adore avec cette idée de féminisme pop, c'est que ça permet au moins de mettre le débat à l'agenda. Ça m'arrive régulièrement et je pense qu'on est plein à qui ça arrive aussi d'en discuter en soirée quand on va reparler d'un clip comme par exemple celui de Rihanna que je nous propose de regarder tout à l'heure. Il y a toujours cette question en fait très premier degré et en même temps très saine à poser qui est mais est-ce que c'est bien pour la femme, est-ce que c'est dégradant, est-ce que ok elle a l'air de décider elle-même de se dénuder donc à partir de là ça devient son propre choix et c'est intéressant. C'est des débats en fait qui sont loin d'être nouveaux. La question de la nudité dans la pop, elle a pas attendu Miley Cyrus, Rihanna, Beyoncé pour arriver. C'était déjà le cas avec Madonna quand dans son clip Express Yourself, elle se dénude complètement et que du coup toutes les interviews qui suivent, on lui pose la question, on lui dit mais pourquoi, en gros, pourquoi vous avez fait ça? Vous étiez classe, vous aviez déjà joué un petit peu avec le côté code de la vulgarité, mais pourquoi se dénuder autant? Et à ce moment-là, elle a répondu « But I chained myself, it's my choice ». Elle le dit avec au moins ce super accent. et en fait, ça devient OK parce que c'est son choix. Mais d'ailleurs, je pense qu'on peut regarder peut-être cet extrait qu'on avait prévu. Donc il y a un peu deux lectures possibles à ce clip. La première, la plus littérale, celle qui saute aux yeux, c'est évidemment Rihanna hyper dénudée, poitrine apparente, la croupe. De toute façon, c'est un clip qui a été tourné dans un club de striptease, ce qui laisse assez peu de doutes du coup sur ce qui s'y passe. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que dans les lyrics, elle dit « All I see is signs, all I see is dollar signs », ce qui est ma phrase préférée. Mais c'est pas très important de le préciser. En français dans le texte, le symbole qui me reste toujours en tête, c'est celui de la devise monétaire dollar. Et en fait, drôle parce que dans ce clip, elle campe le rôle d'une mère maquerelle. Donc c'est elle qui choisit de gérer un petit peu toutes ces femmes autour d'elle. En fait, moi, quand je vois ce clip, je pense beaucoup à une discussion que j'ai régulièrement avec ma meilleure amie, qui, si tout se passe bien, est dans cette salle, qui me dit « Ah, mais j'adore Rihanna, mais en même temps, ce qui m'énerve, c'est qu'elle est constamment dénudée dans ses clips. Donc, je ne sais pas trop quoi faire de cette information. J'aime bien, mais en même temps, ça me gêne. » Et c'est là qu'on en vient à la deuxième lecture qui est intéressante, qui est celle de l'empowerment. Donc, mot qu'on emploie de plus en plus et qu'on... D'ailleurs, on l'emploie tellement qu'on ne prend plus trop le temps de le traduire. Mais l'empowerment, c'est le processus, peut-être... Oui, on peut parler de processus, à l'issue duquel... Les universitaires, ils emploient un mot horrible pour ça en traduction française. Des fois, c'est encapacitation. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'aime beaucoup plus la traduction canadienne qui est empouvoirment, qui est aussi celle que propose le site mademoiselle.com.
Et qui est bien d'ailleurs aussi parce que ça permet de continuer à faire figurer le mot pouvoir, qui est quand même le mot pivot, le mot le plus important dans empowerment. Donc c'est le processus à l'issue duquel une personne ou un groupe de personnes se rend compte du pouvoir qu'elle a. Et j'aime bien ce mot parce qu'il va peut-être plus loin encore que le mot émancipation, que je trouve peut-être un petit peu moins actif que empowerment. Ce mot, il est aussi plus lié à des questions économiques, c'est-à-dire l'empowerment, il passe davantage par le fait de gagner plein de thunes. Et en fait, souvent, c'est revendiqué, autant chez les rappeurs que chez les chanteuses R&B, pop, etc. Le fait qu'effectivement, on peut avoir deux lectures, c'est ce qu'on voyait déjà avec Madonna. Pour les garçons, c'était la pin-up, et pour les filles, c'était quand même le symbole de force. Mais au final, on voit que souvent, si l'émancipation avant, ça passait effectivement par un discours un peu plus universaliste, un peu plus, peut-être aussi plus consensuel, aujourd'hui, c'est non, moi je fais des thunes, je dis ce que je veux, et c'est comme ça que je m'affirme, quoi. Ouais. Mais ça, c'est devenu hyper consensuel aussi. Enfin, je veux dire, pour répondre à ta question, peut-être d'un point de vue de critique musicale, évidemment que je suis sensible à la question du féminisme et à la question question de la représentation de la femme en général. Mais peut-être qu'à un moment donné, si on veut parler d'un disque, qu'être littéralement écrasé sous la croupe de Beyoncé pour réfléchir à son disque. Il y a quelque chose quand même aussi, il y a un prix qui est payé, qui est aussi celui de la proposition artistique. Enfin, il y a une prise en compte tellement massive de... C'est pas l'idée de dire que l'incarnation, c'est pas important dans la pop, parce que je pense que c'est essentiel, et que passer par le corps, c'est essentiel, et que cette nudité, elle est... hyper intéressante aussi. Aussi, c'est la nudité d'une femme, et c'est symptomatique de la représentation des femmes, mais c'est aussi la nudité d'une très belle femme, jeune. Tout à fait. Voilà, donc au fond, ça ne représente pas du tout la condition de toutes les femmes. Enfin, ouais. Donc il y a aussi quelque chose de... Voilà, qui est un petit peu biaisé aussi. Complètement. On arrive d'ailleurs à mon deuxième point. Donc voilà, c'est juste sur cette idée que l'argument l'exigence de réfléchir à cette condition féminine et de réfléchir à la pop à travers comme symptôme de cette condition féminine, il faut prendre conscience aussi que c'est un petit peu aussi en train de devenir une sorte d'idéologie contemporaine. Et oui, la marche à suivre tellement classique que finalement elle devient invisibilisée, parce que si toutes les femmes, toutes les pop stars se dénudent, il y a un moment où on n'a plus vraiment cet effet de choc, un peu comme l'expression PD a été reprise par la communauté homosexuelle pour la déposer de son sens, ou la négritude par Aimé Césaire. Je pense qu'il y a peut-être eu un moment intéressant où la nudité, elle a été reprise par les femmes, comme pour montrer quand même aussi que si elles se dénudent elles-mêmes et qu'elles banalisent un petit peu cette histoire de corps, parce que des corps dénudés, on en voit de plus en plus, si on en fait quelque chose de finalement complètement... à la fois très politique et en même temps faisant complètement partie du paysage, ça peut devenir une façon de récupérer un peu de pouvoir dessus. C'est là que je voulais vous lire une citation de cet article des Inroc, qui dit donc « En exposant leur corps, en parlant de sexe à tout bout de champ, en se collant la main à l'entrejambe comme le font certains artistes masculins, ces chanteuses se réapproprient la représentation de leur sexualité. » Une démarche qui rappelle celle de Caitlyn Anna, la leader de Bikini Kill, qui donnait ses concerts en culotte et en soutien-gorge, le ventre barré d'un slut, salope donc. Objectif, se réapproprier son corps dans une société machiste qui tend à présenter les femmes comme des êtres passifs. Aujourd'hui, le slut radicalement punk d'une Caitlyn Anna semble trouver sa transposition pop chez une Miley Cyrus, critiquée de toutes parts pour l'hypersexualisation de ses clips et concerts. Donc si on veut donner un argument plutôt... en faveur de cette nudité, on pourrait aussi rappeler que la plupart des femmes qui subissent un viol et qui ensuite vont porter plainte se voient poser la question de « vous étiez habillée comment ? Mais si, mais ça ?» Alors, in fine, l'idée, ce serait peut-être de se rendre compte qu'un corps est un corps, que ce soit un corps masculin ou un corps féminin. Après, oui, je te rejoins complètement sur ce que tu dis de la part de ces corps, donc qui sont de toute façon des corps très beaux,
Moi, quand je regarde un clip de Rihanna ou un clip de Beyoncé, c'est vrai que je me dis pas forcément. Enfin, une fois sur deux, je me dis c'est cool, elle fait ce dont elle a envie. Une autre fois, je me dis ça rendrait peut-être pas pareil si je faisais ça ou si je me mettais à poil sur une grosse boule de métal qui allait de part et d'autre de la pièce. Mais après, il y a aussi ce problème d'identifier nudité et sexualité. Enfin, c'est pas non plus là, on n'est pas face à des nudités. Je sais pas, tu vois les tableaux de Egon Schiele où tu as des sortes de nudités cadavériques. Enfin, la nudité, ça peut vouloir signifier plein d'autres choses que la sexualité. Ouais. Et là, on est dans des nudités sexualisées. D'ailleurs, c'est pas vrai. Elle est jamais nue en fait, Beyoncé. Elle a des c'est choses très très fines, voilà, sur les tétons et sur des endroits stratégiques du corps, mais elle n'est pas nue. Donc on n'est pas non plus dans l'expérience humaine, tu vois, qui transcenderait justement le genre d'un corps nu comme ça qui est présenté. C'est un corps qui est érotisé, c'est très bien. Enfin, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Mais peut-être que nudité et sexualité là méritent d'être aussi distinguées. Et parce que voilà, et femme et belle femme jeune chantant du R&B, c'est encore deux choses différentes. Et parfois, toujours faire transformer la pop en symptôme de tout. Enfin, on rend ce symptôme finalement assez fragile parce que dès qu'on l'analyse, on voit qu'il recouvre pas du tout toute la réalité qu'il est censé représenter. C'est pour ça qu'un des reproches qui est régulièrement fait à ces artistes-là, qui se réclament d'un féminisme pop et en même temps se dénudent peut-être de façon premier degré, c'est on va leur dire mais en fait vous voulez le beurre et l'argent du beurre, vous voulez la caution militante et à côté pouvoir quand même donc vous affirmer comme féministe, mais peut-être en validant en fait le cahier des charges d'un milieu dont les règles n'ont pas été dictées par vous, mais par un patriarcat tel qu'on le ressent déjà dans plein d'autres milieux. En fait, moi, je voulais juste ajouter que je pense que ce qui est intéressant avec ces artistes et qui a été très bien questionné par Patricia Alcolin, c'est finalement comment, en utilisant ce qu'elle appelle ces controlling images, donc ces images et ces représentations qui ont une généalogie, qui ont une construction historique et qui ont véritablement un enjeu politique, c'est vraiment de poser la question de leur portée finalement dans ce processus émancipation ou empowerment ou agency, parce que finalement c'est partir d'images construites par des groupes dominants, et ça pose effectivement de cet outil dans ce processus-là de libération. Donc que ça soit pour la question de, par exemple, Adriana et la question de la nudité, etc., c'était un peu la même chose que fait des artistes R&B comme Wallen, etc., sur cette idée de donner une autre image de beurette, c'est-à-dire de rester quand même dans cette catégorie de beurette, mais juste un peu d'inverser les stigmates. Donc je pense que c'est quand même assez limité en termes d'empowerment, et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'effets pervers, malheureusement, dans ces processus-là. Et je sais que, par exemple, sur tout ce qui s'est fait autour de Beyoncé, etc., et notamment le clip Lemonade et tout, ce que les théoriciennes africaines-américaines comme Bell Hooks ou Patricia Alcolin, elles interrogeaient en fait un peu cette émancipation, mais plutôt en termes de processus individuel, et qu'est-ce que ça pouvait plutôt apporter en termes collectifs et pour la communauté. Et elles interrogeaient vraiment cette idée de toujours réutiliser, même si c'est important, de le faire, ces images-là de femmes lascives ou par exemple chez les maghrébines, de femmes soumises, à l'inverse, cette femme aussi de les beurettes en fait. Par rapport à l'expression aussi féminisme, on entend parfois, mais pourquoi en fait ces superstars se disent féministes? Est-ce qu'elles ont droit? Est-ce qu'elles sont légitimes dans ce discours? Il y a un petit peu deux façons de voir les choses. La première, c'est de réaliser que ce qui reste au moins intéressant, c'est que même si elles le font à des fins marketing, elles permettent au moins de peut-être dépoussiérer le mot. Dans le sens où on parlait tout à l'heure de Madonna, mais à l'époque, Madonna, quand on lui faisait parler de sexisme, elle avait peur de dire qu'elle était féministe. Elle préfère, c'était un petit peu le mot, attention, chasse aux sorcières juste après. Donc, elle préférait dire « je suis humaniste ». Ouais, c'est ça, je suis humaniste.
dans les années 90 ou plutôt dans les années 2000, les Spice Girls aussi se disaient pas particulièrement féministes. Il y a eu tout le mouvement plutôt de du girl power qui était peut-être la digestion du féminisme, mais en version plus acidulée et aussi potentiellement édulcorée. Alors, je suis pas en train de dire que Beyoncé est peut-être la plus grosse figure de proue du radicalisme féministe, mais elle permet peut-être au moins cette banalisation du mot. On va prendre une remarque de Jean-Marie Seca, puis on laissera assez rapidement la parole à la salle. Je regarde jamais les clips de Beyoncé et de Rihanna. Franchement, c'est pas ma tasse de thé, mais bon. J'ai regardé un clip de Beyoncé où elle se fait elle fait une danse avec des danseuses, mais elles sont mal habillées volontairement. Donc elles se mettent mal habillées et on voit vraiment qu'elle n'est pas si belle que ça, Beyoncé. Mais après, c'est affaire de goût, hein. Et donc, c'est quoi, mal habillée? C'est pourquoi je parle de ça. C'est pas du tout pour critiquer Beyoncé, mais c'est parce qu'il y a aussi. Moi, dans mes interviews de groupes de rock, de musiciens, à chaque fois, il y a des affaires de couple. Alors, soit c'est des vrais couples qui font de la musique ensemble, et dans ce cas-là, c'est des disputes de couple, soit c'est des groupes qui se vivent comme des couples, des groupes de rock, des groupes de musique, qui se vivent comme des couples. Et il y a cette logique de couple, de groupe, de copinerie, enfin. Et Beyoncé, elle a un gros problème, d'après ce que j'ai lu dans la presse américaine, avec son mec qui la trompe sans arrêt. Enfin, bon, il y a une dispute entre eux, ce qui est connu, hein, d'après ce que j'ai compris. Je ne suis pas un spécialiste, parce que franchement, je ne me suis jamais documenté sur... Alors du coup, il y a cette logique féministe qui se greffe sur quelque chose qui est une colère peut-être contre son mari, enfin, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas été là parler avec elle. Mais on peut imaginer, on se pose la question. Donc tout ça, ça joue un rôle. Deuxièmement, sur le féminisme dans les musiques pop. Enfin, il y a quand même une très grande ancienneté, notamment dans le punk, avec le groupe, par exemple, des Slits, aux Six in the Banshees, mais aussi tout le mouvement des Riot Girls. Alors il y a quand même une paternité, il y a un vrai mouvement féministe dans le rock qu'il ne faut pas non plus oublier. Moi, en même temps, je la trouve sympathique, Beyoncé, parce qu'elle fait vraiment des choses audacieuses pour une vedette qui est vraiment dans le territoire financier largement solide, bien assis. Et je pense qu'elle est quand même assez audacieuse. C'est pour ça que je trouve ça assez respectable. Mais je pense qu'il faut regarder aussi dans toutes les minorités féminines, féministes, féminines aussi, hein, qui ont fait des choses comme ça. Par exemple, en matière de provocation, il y a la fameuse punk Queen Adrina, qui est vraiment très provocante, beaucoup plus provocante que Nina Hagen, ou que Beyoncé, ou que Rihanna. Donc il y a quand même toute une flopée de vedettes féminines et féministes qui font des choses audacieuses, qui jouent avec l'esthétique. Et je vous le dis, moi j'y tiens beaucoup, il faut toujours ce pari esthétique pour défendre des causes, parce qu'on peut à la fois défendre des causes et décrire un projet d'esthétique. Voilà. Alors on voit que déjà c'est dur de sortir du cas américain, on en est revenu très rapidement, enfin on y est revenu très rapidement. Bon, j'imagine que vous avez plein de questions à poser, donc je vais assez rapidement laisser la parole à la salle. Est-ce que ouais. Donc allez-y, n'hésitez pas, on peut discuter, revenir sur des sujets où on a abordé d'autres, on a du temps pour les questions, donc allez-y. Bonjour tout le monde, bonsoir. En fait, j'ai remarqué un truc, le terme adoubement qui me venait en fait, que j'avais remarqué par rapport à certaines personnes connues dans le milieu de la musique. Je ne sais pas si vous avez vu Madonna à un concert à Paris, et ensuite Christine and the Queens qui est venue sur scène, etc. J'ai remarqué en fait qu'il y avait une sorte de cérémonie d'adoubement. Voilà, c'est tout. je trouvais ça intéressant. En fait, c'est comme si... Excuse-moi, tu veux dire que le concert, c'était une cérémonie d'adoubement de la chanteuse ? Voilà, en fait, par exemple, Madonna, elle arrive à une telle position qu'elle peut adouber en fait, des jeunes artistes, par exemple Britney Spears, qui au début était une petite fille gentille et tout, voilà, qui jouait un peu la petite écolière. Et ensuite, il y a un concert où elle est montée sur scène et Madonna l'a, entre guillemets, adoubée en l'embrassant, en passant par le côté subversif. Et c'est arrivé la même chose à Christina de Queens, où elle lui tapait sur les fesses et elle faisait des mouvements assez coïtales.
sur elle. Et du coup, moi, je trouvais ça intéressant. Et inverse, enfin, et pour les hommes, enfin, je sais pas de quoi je parle, mais en tout cas, j'ai remarqué aussi que maintenant, enfin, dans un peu tout ce qui est mainstream, on a, à partir d'un certain niveau, en fait, il n'y a plus de renouveau. Donc, du coup, on est obligé d'adouber quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un de différent, comme Usher, qui a permis à, donc un noir, par exemple, qui a permis à Justin Bieber d'être découvert. Donc, ça, c'est intéressant. Ouais, du coup, si on veut pousser la logique, voilà. En fait, une fois qu'on est Beyoncé, de toute façon, on est au top, on ne peut pas faire mieux. Il vaut mieux servir de son pouvoir au service de quelqu'un, d'une minorité. Enfin, ça peut être. Ça peut être la chanteuse d'à côté ou une minorité. Sinon oui, du coup, c'est intéressant, parce que c'est vraiment des logiques de passation de pouvoir. C'est plus, c'est pas l'individu qui voilà, fait un groupe et tout à coup un succès miraculeux et adoubé par le public, mais finalement une espèce de rapport chevaleresque, mais dans sa version coïtale, qui se met à traverser la pop. Il faut rendre ce qu'on a gagné. Et voilà, et aussi parce que les vieilles stars restent encore les stars d'aujourd'hui. On a l'impression qu'on, Madonna, on commence un peu à, bon, elle décline un peu, mais il y a cette idée que ils restent un petit peu indéboulonnables, comme s'ils représentaient l'histoire de la pop elle-même. Mais c'est intéressant de voir que cette passation de pouvoir, l'adoubement, généralement, si c'est lié à la tradition de la chevalerie, c'est plutôt masculin. Et là, voilà, ça passe dans un monde féminisé. Bonsoir, merci pour ce débat très, très intéressant et très, très peu vu. Pour l'instant, en tout cas, si vous êtes assez précurseurs. Et en fin de compte, la réflexion que je voulais poser, c'est quelque chose qui a été évoqué plusieurs fois. C'est on revient toujours aux États-Unis et alors en France, etc. Et je pense que effectivement, il y a une épaisseur historique qui est pas vraiment fouillée, parce que sur pas mal de choses qui ont été évoquées, on pourrait trouver des exemples qui sont d'avant les années 80 ou même à partir des années 60. Enfin, par exemple, sur le féminisme et la pop, je veux dire, Madonna, c'était déjà 30 ans après les débuts du féminisme et de la pop. Mais en fin de compte, du coup, ça m'a donné un petit peu. Je me suis mis à réfléchir sur cette question. Et effectivement, par exemple, les exemples, quand on parlait du mainstream américain, et après que vous avez dit avant l'intervention de Karima, on va passer au cas français. Bon, donner un petit exemple d'El Matador, bon, ça, c'est pas mainstream du tout. Et Booba, à la limite, c'est mainstream, mais en fin de compte, c'est mainstream chez les jeunes, enfin, c'est mainstream générationnel. Alors que, et du coup, je vous soumets peut-être une hypothèse, c'est avec la polysémie généralisée du sens et toutes ces complexités sémiologiques de minorité. En fait, les choses qui fonctionnent bien, c'est quand on voit un artiste et qu'on peut comprendre à la limite sa proposition, ou qu'on peut se projeter dans sa situation ou dans les problèmes de rapport de pouvoir que propose sa situation. Et effectivement, Beyoncé, moi, la première fois que j'avais vu une com sur Beyoncé, c'était en 2003, au Canada, et ce qu'essayait de montrer la chercheuse, c'était que justement, Beyoncé, elle travaillait ses différents publics. Par exemple, elle n'était pas prise en photo de la même manière quand c'était des magazines de musique ou quand c'était des magazines féminins. Ou parfois, elle privilégiait le gros plan, parfois, elle privilégiait sa silhouette entière, etc. Et qu'en fin de compte, c'est vrai que le public de Beyoncé, il est très large. Que ce soit racialement, en termes d'âge ou en termes de genre, en termes genrés. Alors que, bon, par exemple, Booba, je ne sais pas s'il réfléchit vraiment comment toucher les femmes blanches de plus de 50 ans quand il fait son truc. Enfin, je pense qu'il est. Je pense que, du coup, cette question du côté mainstream, effectivement, par exemple, il y a déjà eu des artistes mainstream et qui pourtant privilégiaient une minorité, mais qui ont fonctionné en France. Je ne veux pas citer plein d'exemples, mais par exemple, au début des années 70, les régionalistes, par exemple en Bretagne, Alain Stivell, Dan Arbraz, Trian and Naoned, et bon, eux, ils défendaient la Bretagne, mais en fin de compte, il y a des gens qui n'étaient pas bretons et qui, du coup, comprenaient en fait le message et du coup, se reconnaissaient dans le message et étaient prêts à les défendre, même s'ils n'étaient pas bretons et même s'ils étaient à l'opposé de la Bretagne. Donc, je pense que
il y a peut-être ça à prendre en compte, c'est la projection et le côté de se reconnaître ou pas. Si on est avant tout rebuté ou on est choqué, eh ben, du coup, ce n'est pas la même chose que si jamais on comprend. Il suffit de voir la carrière de Renaud et voir comment on peut réussir à... Enfin bon, voilà, c'était une hypothèse. Oui, rapidement, en fait, ça me fait penser que, en fait, on a parlé de ce cas comme si c'était normal de se l'approprier en France, par exemple, avec le cas de Beyoncé. Alors qu'en fait, la difficulté et le doute que ça porte pour moi aussi, c'est qu'en fait, on n'a pas connu, on connaît indirectement toute la situation d'émeute raciale aux États-Unis de ces dernières années. Du coup, ce geste. En fait, ce qui est, du coup, quand on regarde le clip, on se dit ah bah elle prend plein de signes de l'histoire des droits civiques, elle en fait des tonnes, elle mélange tout, elle insiste sur des traits physiques identitaires, etc. C'est déjà j'ai l'impression qu'en fait elle le fait de manière un peu plus explicite que d'habitude, d'aller jusque là, jusqu'à marquer quelque chose de physique. En fait, c'est dépasser justement peut-être le côté racialisé pour aller vraiment sur moi c'est là, c'est vous ne l'avez pas celui-là, c'est le mien. Déjà, ça crée deux camps. Mais surtout, ouais, du coup, ta question, ça me fait me dire qu'en fait, on ne maîtrise pas vraiment le contexte dans lequel ce geste. On a beau se dire la pop s'est mondialisée, c'est le féminisme international, c'est le féminisme pop, etc. En fait, un geste comme celui de Beyoncé, en fait, pour évaluer si c'est un risque ou pas, s'il résonne, si on le trouve cohérent et si. On peut être un peu de son côté au moment où on écoute le morceau. En fait, ça demande d'avoir été sensible à des événements qu'on ne s'est pas forcément approprié. Il y a un exemple aussi qui va dans le sens de ce que tu dis, c'est à propos des choses qui perdent peut-être de leur sens ou qui ne résonnent pas de la même façon chez le public en fonction de s'il a les références ou pas. Donc c'est par rapport au mot féminisme qui, pour le coup, a tellement été pris et repris que... même en septembre de l'année dernière, Karl Lagerfeld a fait un de ses défilés, une sorte de manifestation. Donc il y avait des mannequins qui se baladaient sur un catwalk avec des bandeaux, des affichettes, des banderoles. Et il y avait des slogans féministes, en fait, là-dedans. Moi, quand je vois quelque chose comme ça, ça m'interroge. À la fois, tout à l'heure, je disais c'est intéressant parce que ça permet de rendre un peu plus cool le mot et puis au moins de peut-être mettre le débat à l'agenda dans la bouche des écolières. Et d'un autre côté, les choses n'ont plus aucun sens et peuvent être reprises sans qu'on puisse vraiment se dire là, elles ont un impact comme elles ont pu en avoir un historiquement dans des contextes plus militants. En fait, ce qui est intéressant et ce qui est assez fascinant d'un côté, c'est que pendant longtemps, les questions de justice sociale, elles ont été limitées aux questions économiques, des inégalités économiques. Et maintenant qu'elles sont déplacées vers des questions plus culturelles, d'identité, etc., elles peuvent être mainstream. Alors qu'avant, les discours contestataires, ils pouvaient par définition difficilement ou peu être mainstream. Oui et non, parce que l'exemple qui est donné de Dana Arbraz, je trouve c'est marrant parce que c'est... En fait, là-dessous, il y a à la fois quelque chose de très spécifique, c'est l'identité bretonne, et en même temps, la question c'est comment ça peut devenir universel, c'est-à-dire comment d'autres gens qui ne sont pas bretons, qui peut-être même s'en fichent de l'émancipation bretonne, pouvaient adhérer à ça. Et c'est j'ai l'impression que l'opérateur d'universalité, là, c'est l'idée de la minorité, enfin, c'est l'idée de la minorité résistante. À chaque fois, avec Beyoncé, ce que vous décriviez, c'est autre chose. C'est un calcul, c'est une sorte de stratégie de la popularité où elle s'adapte à des publics pour les réunir tous. Mais en fait, elle donne pas quelque chose qui va. Enfin, si, manifestement, elle donne quelque chose qui fédère les gens, quand même. Ne serait-ce que peut-être sa condition féminine, sa musique, parce que bon, ça joue quand même un rôle. On dirait que c'est tellement inessentiel. Et donc cette revendication raciale aussi. Mais il y a à la fois, il y a en plus de ça un calcul qui consiste à s'adapter à des publics et qui là aussi introduit cette espèce de soupçon. On ne fera jamais penser que Beyoncé, aussi superbe qu'elle est, elle n'a pas des conseillers en communication. Bon, deuxièmement, c'est parce qu'elle a du talent malgré tout qu'elle peut se permettre d'être visibilisée par son féminisme. Elle peut même se permettre d'habiller avec un mauvais t-shirt, un mauvais survêtement, d'être mal sapée avec ses vendances et de se permettre de faire le truc de la grande vedette qui peut être mal sapée.
Enfin, ça, c'est un peu comme Karl Lagerfeld. J'ai bien aimé votre exemple. Elle fait la même chose que Karl Lagerfeld. Bon, mais c'est pas du tout méprisant de ma part de le dire ou de le faire remarquer. Mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. On est bien d'accord. Hein, mais... Sur les vedettes genre co-communistes ou bien protestataires, en France, on a quand même des sacrés zozos. On a Léo Ferré, Jean Ferrat. Parce que je confondais, je voulais citer les deux. Donc Léo Ferré et Jean Ferrat, c'est quand même des sacrés personnages qui avaient quand même... Et tiens, Jean Ferrat, sur le féminisme, c'était un sacré. Donc bon, donc il y a quand même une ancienneté, il y a des choses quand même. Je ne pense pas qu'il y ait de nouveautés vraiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'une grande vedette, genre Karl Lagerfeld, mais qui en fait s'appelle Beyoncé, a réussi à faire un truc super et qu'elle a du don, elle est capable, elle est bien entourée. Et en même temps, elle est capable, elle a choisi de le faire, et c'est bien, et c'est pas mal. Voilà. On a une question là-bas. Oui, bonsoir. En fait, on a beaucoup parlé de la place de la femme, de la race, et je me demandais un peu ce qu'il en était des revendications LGBT, queer, qu'on n'a pas abordées en fait, durant ces débats-là. Donc voilà, un peu lancer cet axe-là, et avoir votre avis. Alors, moi, je peux répondre très vite avant que. C'est que vraiment, le débat, il est parti de ce qui nous est tombé dessus, de mainstream, de revendications identitaires mainstream. Et vraiment dans un truc où on s'est dit on va partir de l'actualité la plus proche cette revendication identitaire sur une question de genre race avec Beyoncé mais je sais pas si tu connais du coup des exemples d'artistes mainstream qui auraient porté quelque chose de queer ou de LGBT. Ok. Non, mais c'était juste pour savoir, voilà, parce qu'on a eu Lady Gaga, des gens comme ça qui ont pris part à la cause de la communauté LGBT, mais en tant que personne vraiment LGBT qui ont pu porter un message mainstream grâce à l'esthétique, moi je peux penser qu'à Frank Ocean, encore, je ne connais pas bien sa musique, et Peaches, mais sinon j'ai l'impression qu'il y a une absence. Ouais, mais ce serait intéressant de voir par exemple comment. Pardon, excuse-moi. La chanteuse de Gossip aussi, sinon, qui est à la fois assez engagée dans le milieu LGBT. Et qui en même temps est cette personne qui, tout en assumant ses formes, essaye quand même de montrer que c'est possible de s'habiller avec classe. Enfin, c'est assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup la trajectoire de cette chanteuse parce qu'elle est féministe justement, tout en ayant un parcours radicalement opposé à celui des féministes dont on a parlé ce soir pour le coup, Rihanna, Beyoncé. C'est peut-être aussi qu'on a pris le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on est parti. Une artiste qui était très haut, qui n'en parlait pas avant, et qui du coup, on s'est posé la question de d'où ça vient la légitimité. Et donc, alors qu'en fait, par exemple, quand on prend quelqu'un, Frank Ocean, son succès il est relativement récent. Et ensuite, une fois qu'il venait, enfin voilà, il avait sorti son disque, et là, il a publié une lettre, etc. Et en plus, c'était très différent parce que tu me diras si je me trompe, mais pour moi, il n'y a pas de parole dans les paroles de Frank Ocean. En fait, il parle d'amour, etc. Mais enfin, moi, quand j'avais écouté l'album, je ne savais pas qu'en fait, il parlait pas d'une femme. Et ensuite, il a publié une lettre, donc ce n'était pas dans sa musique. Et c'est une lettre, c'est-à-dire que du coup, il dit « je », etc. Dans le cadre d'une lettre à côté, et ça prend une valeur, je trouve, un peu différente. C'est un peu plus, j'allais dire, plus facile, mais je ne sais pas comment dire. En fait, en tout cas, c'est une manière différente de recevoir ce genre de message que quand il est dans un morceau qui sort avec un gros clip juste après un truc au Super Bowl. Donc du coup, et puis il y a aussi du coup l'idée de se dire, c'est peut-être que ça dépend des sujets et qu'il y a des sujets ou des trajectoires qui font que la légitimité, elle pose peut-être moins problème et on est parti du problème en fait. Peut-être. En même temps, l'histoire de la pop, elle est vraiment faite de mouvements de revendications gays quoi. Enfin que ça soit. Oui, voilà, c'est peut-être des plus. Voilà, c'est enfin si je pense que vous avez raison. Enfin, c'est un sujet central quoi. Enfin de ce point de vue-là. Et là, avec ce qui s'est passé à Orlando hier, je pense que enfin ça reste. Et pour le coup, les porte-paroles. Enfin, moi, je pense même à des groupes pas très connus, un groupe de punk qui s'appelle Husker Du. Voilà, qui étaient des militants gays. Très engagé. Enfin, il n'y a pas que dans l'histoire des musiques électroniques où là, ça a été encore plus manifeste. Et aujourd'hui, voilà, il me semble que c'est même assez dominant. Enfin, tout le new wave anglais était quand même. Voilà, Where's the Wire, Wire, pardon, Jimmy pas Somerville, The Wire. Ça c'est une série. Donc non, c'est oui, enfin exactement. Voilà, tout à fait. Oui, mais voilà, c'est quand même différent. Il y a cette, en fait, par exemple sur
sur la question du queer, etc. dans l'histoire. En fait, moi, c'est pour ça que je disais, en fait, on est vraiment parti d'une chanteuse mainstream, enfin, ou de quelque chose de très mainstream, où d'emblée, ça posait un doute. Parce que, par exemple, quand on réfléchit à l'histoire d'identité queer dans le rock, etc., dans le rock déjà, donc c'est pas la pop ou la variété avec ce soupçon de commerce un peu plus fort. Le rock, ça fait longtemps en fait qu'il y a la musique à succès qui peut porter des messages contestataires, etc. Et il y a plein de cas où on se dit pas qu'il y a une contradiction quoi. C'est New York Dolls par exemple. Et ensuite il y a le glam rock en fait, c'est-à-dire que il y a plusieurs bouquins qui sont parus sur le glam rock. Moi, je m'étais jamais intéressé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que des gens, au moment où ils incarnent le fait d'avoir une posture, une identité minoritaire, ils font des paroles sur l'inauthenticité ou ils font des paroles en disant, je suis en train de chanter pour vous, mais tout ça est une grosse blague. Ce qui est une posture émancipatrice très Morrissey, intéressante ça aussi. Et beaucoup, ça fait ouais, Smith. Voilà, et très différente de celle de Beyoncé qui est d'aide sérieuse quand au moment où elle porte son message elle quoi. Elle est en colère. On va prendre juste encore deux questions parce que sinon on va pas y arriver, puis il faudrait qu'on puisse écouter Pamina ensuite, donc les deux dernières. Bonsoir. Du coup, enfin moi j'ai l'impression que partir de la question de la justice sociale et de la pop en partant de Beyoncé, c'est du coup on se pose la question de ce que vient faire le social là. Si le social c'est des groupes déterminés qui doivent trouver leur place dans un espace ou si c'est justement des strates. Et du coup, le français et l'Amérique, c'est clair qu'il y a deux visions assez différentes. Et on ne voit pas forcément, moi je ne vous ai pas entendu parler de la figure de l'entrepreneur qui est hyper présente chez Beyoncé. Et Beyoncé, je ne pense pas qu'elle ait de problème à faire fabriquer sa collection au Bangladesh. Mais par contre, elle peut revendiquer son identité noire et être une femme fière parce qu'elle a gagné ce droit par l'argent. Il y a aussi cette idée-là qui est présente et qu'on retrouve chez les rappeurs en France, et justement je voulais avoir l'avis de Karima là-dessus, où en fait on voit beaucoup toutes les marques des rappeurs dans l'espace public et ce modèle de l'entrepreneur qui est hyper présent avec Watibi ou avec Uncut, il y en a des milliers de toute façon. Et justement, est-ce que j'ai l'impression que le modèle français après Diam s'est écroulé et que justement il n'y a pas de femme que je connaisse, en tout cas, hein, c'est une question que je pose, qui ait réussi à porter ça, ce message d'entrepreneuriat en fait parmi les femmes qui aiment le R&B et le rap, etc. En fait, justement, c'était un peu l'idée de mes propos au début. C'était de dire comment dans une musique mainstream comme le rap de Booba, on a une figure qui est montrée, hyper sexualisée, celle de la beurette. Et l'action finalement que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a une réaction ou une réponse aussi dans la culture mainstream par rapport à ça? Donc moi j'ai parlé d'El Matador qui effectivement n'est pas mainstream, mais c'est la seule entre guillemets réponse que j'ai trouvée. Et du coup c'est vrai que ça m'a posé le problème des artistes féminines, et notamment d'un point de vue situé des artistes féminines d'origine maghrébine sur cette question-là, de cette surexposition de ce corps-là dans la musique et leur entre guillemets on va dire engagement. Et du coup, je sais que ce qui est intéressant avec la carrière de Wallen, c'est que sur la fin, sur son dernier album, elle dit qu'elle a autoproduit. Elle explique qu'effectivement, l'autoproduction, ça lui a permis de parler de certaines choses d'une certaine manière. Et c'est dans cet album-là où elle est habillée sur la pochette en habit berbère, en fait, marocain. Et que ça lui permet de revenir un peu sur un questionnement sur soi, sur ses origines, et un peu de se questionner sur cette image de maghrébine en France, qu'est-ce qu'être de beurette. Elle ne dit pas beurette, mais c'est un peu ça l'idée. Du coup, aujourd'hui, en France, justement, c'est le gros bémol, c'est le silence absolu, parce qu'il n'y a rien dans le mainstream. J'étais obligée de trouver quelqu'un un peu qui a fait une polémique avec ce son qui est très 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 maladroit, parce que en plus El Matador, quand il a eu ses critiques de racisme anti-noir par MZ et d'autres rappeurs, il a juste dit j'aurais peut-être dû enlever le mot black, pas dire beretta khel et beretta black en fait, parce qu'il dit les beurettes aiment les black, aiment le jack, bref, des rimes vite fait. Et en fait, il a juste dit, peut-être que j'aurais dû enlever le mot black. Et en plus, oui, alors le problème des unions mixtes, c'est un problème parisien. Donc à Marseille, c'est super beau, tout va bien. Il n'y a pas ce problème de racisme chez les racisés,
on va dire. Et du coup, même sa réponse à toutes les critiques, elle est un peu très limite, quoi. Et du coup, en fait, je pense qu'effectivement, tous les artistes rap qui ont réussi à s'ouvrir et à aborder des thématiques et avoir une vision déconstructiviste, par exemple, et un autre rapport à leur identité et leur origine, en général, ils sont obligés, effectivement, il explique, de passer par le processus d'autoproduction. Et c'est ce que fait Youssoupha depuis quelques années. Il le dit très bien, en fait. Je voudrais y rebondir. C'est très intéressant ce qui vient d'être dit là. Moi, je crois qu'il faut faire attention. Je fais un message aux artistes eux-mêmes, ceux qui sont présents dans la salle. Il faut maintenant arrêter avec l'ego trip. L'artiste qui produit dans son coin, c'est fini cette époque. Maintenant, il y a une rente financière de la musique qui est en train de chuter. On se tord dans tous les sens. La rente musicale est en train de chuter par différents phénomènes qu'on ne va pas analyser aujourd'hui. Donc moi, je suis persuadé que la réponse est dans les collectifs de producteurs. Donc on commence à voir ça dans les milieux techno, je pense qu'on voit aussi dans le rap ça. Je crois beaucoup à la notion de collectif. Donc s'il y a des paroles à porter, s'il y a des messages à porter, qui soient à la fois forts du point de vue politique et au niveau des messages éducatifs vis-à-vis de la masse, parce qu'il ne faut jamais oublier d'où vient empowerment, ça vient du travail social, donc c'est un terme éducatif. Hein. Et donc je pense vraiment qu'il y a une mission éducative des collectifs musicaux, il y a une mission éducative des collectifs underground. On a analysé le mainstream, mais on s'en fiche parce qu'eux aussi ils vont avoir leur rente qui va s'écrouler, du moins je l'espère. Moi j'en appelle à un écroulement généralisé de la rente musicale et à la réémergence de collectifs autoproductifs. Et je pense que c'est ça la vraie réponse. Et une réponse qui permet à tous les gens qui ont des choses à dire de se grouper, de fabriquer des concerts, des événements et des choses comme ça qui vont permettre de faire ce qu'on appelle une économie solidaire de la musique et de fabriquer des biens rares, c'est-à-dire des biens artistiques. Deux dernières questions. Bonjour. Déjà, c'était super intéressant et j'avais pas mal de remarques tout au long du débat. La première, en fait, c'était le terme de beurette. Qui est un petit peu, selon moi, gênant, parce que beurette, au final, ça vient de la pornographie. Et c'est ce qui définit, en fait, les femmes arabes, justement, qui est un petit peu le fantasme néocolonialisme des Blancs qui arrivent à libérer la femme arabe du joug de ces... C'est pour ça que l'article que j'ai écrit dans Volume, je pense que les clics, c'est parce qu'ils doivent penser que ça doit être... Exactement, mais c'est super intéressant. Ben, j'ai pas eu l'occasion de le lire, mais j'ai hâte de le lire. C'est juste parce que voilà, je me souviens que les responsables me disaient ah, Karima, ton article c'est trop bien. J'ai dit oui, parce que beurette, je pense voilà, que ça vend bien. Fait tout de suite fantasme. C'est un beurette. Truc hyper vendeur, mais après, je sais pas s'il reste sur le site à lire. Mais oui, alors là, franchement, sur le concept de beurette, c'est comme tous les. C'est un concept, donc c'est polysémique, et c'est comme tous les stéréotypes en fait. Il y a plusieurs images et puis on va mettre en avant une image plus qu'une autre politiquement ou de manière mercantile, c'est utile. Donc ce qui est intéressant avec le concept de beurette, donc il a une vraie généalogie, il a une vraie histoire ce mot. Et par exemple Nassira Agheni, elle a fait des trucs très 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 bien sur ça et elle l'explique très bien, la sociologue. Et ce qui est intéressant, c'est comment cette figure-là, qui peut être présentée dans les années 80-90. Ça va être un peu cette opposition à la femme voilée, c'est-à-dire c'est la beurette qui va prendre son émancipation, qui va reprendre, qui accepte les valeurs républicaines et laïques de la France, qui va aller à l'école, qui va bien travailler, c'est la liberté sexuelle, l'opposition aux traditions de ses parents, etc. Donc il y a vraiment cette idée d'intégration réussie avec cette beurette-là. Et un peu après, plus tard, dans la fin des années 80, venir... en opposition un peu la femme voilée soumise qui refuse de s'intégrer. Et ce qui est intéressant, c'est comment ce mot a aussi évolué dans un processus mercantile de commerce pornographique. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'était l'année dernière où il y avait la revue The Economist qui disait que en France, le mot le plus recherché sur les sites porno, c'était beurette, en fait. On cliquait, c'est le premier qui vient en France. Et que c'était intéressant par rapport à d'autres pays parce qu'en France, c'est vraiment une catégorie ethnique, entre guillemets, qui est recherchée. Donc, on revient sur l'exotisme. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est une catégorie
économique est un enjeu important parce que ça revient un peu sur toute cette question d'orientalisme. On est un peu dans ce néo-orientalisme, comme on dit aujourd'hui, où on a une forme d'exotisme et d'hypersexualisation. Et c'est bien parce que c'est un stéréotype qui va un peu évoluer et qui va changer en fonction de ce qui est attendu, en fait. Mais effectivement... En général, la beurette, si on va très, très, un peu plus loin, son historique, c'est la mauresque hein, de l'époque coloniale qu'on voit sur les cartographies avec les seins à l'air, etc. C'est exactement ça. Sauf que là, c'est une construction qui est venue plus dans les années 80 avec tout ce mouvement de ce qu'on appelait la marche des beurs, mais qui était la marche pour l'égalité, où effectivement, on a essayé un peu finalement de féminiser et d'orientaliser ces mouvements-là pour les rendre un peu... pour les dépolitiser, en fait, je pense. D'accord. Et en fait, ma seconde question, ça a concerné au niveau de cette justice sociale avec l'utilisation justement des Black Panthers avec le Black Power de Beyoncé, qui est au final hyper véhémente. Et ça crée, selon moi, un communautarisme, justement, je crois que c'est vous qui l'avez évoqué rapidement, en parlant du Beyoncé, au final, on ne peut pas forcément se reconnaître par rapport à ses propos, parce qu'on a l'impression, étant donné qu'on n'est pas noir, on ne comprend pas au final ce qu'elle a vécu. Alors qu'en France, on a des mecs genre Kenji Girac, il est gitan, c'est hyper segmentant, et au final, il lui fait passer un message qui peut être très positif, comme Kerry James avec Banlieusard. D'ailleurs, Mia a reproché à Beyoncé de capter toutes les souffrances des non-blancs, enfin de capter noir égale non-blanc, or non-blanc égale plein d'autres choses que noir, en fait. Et du coup, voilà, il y a cette segmentation, elle est manifeste. Ouais, et puis du coup, en fait, c'est vrai que dans la manière dont c'est exprimé, il y a un doute sur le fait qu'on passe par la minorité pour aller vers l'universel. En fait, moi, c'est un peu comme ça que j'ai ressenti. Je me dis, il y a un moment donné, On se demande si ça représente, si ça s'arrête pas à l'identitaire avant d'aller jusqu'à l'émancipation, ce qui est un peu le point commun de plein d'exemples dont on a parlé. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc où ça construit deux camps. Justement, sur cette question très importante en termes artistiques et esthétiques, il faut revenir à Proust, il faut revenir à La Cherche du Temps Perdu. Proust était juif et homosexuel, et il était dans la métaphore. Ce qu'on a oublié aujourd'hui, c'est la métaphore, quand même. Je veux dire, on est trop explicite. Dans la pornographie, c'est bien ça le problème, l'explicite. On oublie que la métaphore, et donc la force d'un message, parle par elle-même. Et dans les travaux sur l'impact des messages en psychologie sociale, c'est les messages qui s'imposent d'eux-mêmes qui sont les plus persuasifs. Ce n'est pas les messages qui sont trop explicites. Donc peut-être qu'on est aussi certains artistes, certains groupements artistiques sont victimes de leur volonté d'explicite, et je pense qu'il faut qu'ils soient capables de revenir à la métaphore et donc à la poésie, à l'indicible, parce que Proust, pour ça, c'est un beau modèle d'expressivité et d'esthétique, si je puis me permettre. Merci. On va remercier les intervenants. Et... Merci.